Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 16 décembre 2022. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi, en tous les cas, je vais bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie. Sois optimiste. Lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Alors aujourd'hui, j'ai pigé immobilité. Eh bien, cette carte, elle vous invite à vous offrir un moment simple, mais d'une grande richesse, l'immobilité. Alors c'est vrai que dans notre culture, être immobile est souvent perçu comme quelque chose de négatif et contre-productif. Cela est parfois même assimilé à de la paresse. C'est vrai que on peut entendre des personnes dire « oui, mais celui-là, il est paresseux ou elle est paresseuse », mais c'est pas vrai. Vous accordez quelques heures où vous ne faites rien de spécial, où vous vous reposez. Ce n'est pas procrastiner, n'est-ce pas? Au contraire, cela vous permet de reposer votre esprit, d'y faire de la place afin que de nouvelles idées émergent. Peut-être que vous êtes dans une thématique où vous êtes perdu. Et c'est là qu'on vous demande l'immobilité pour revenir à vous, pour voir plus clair. Faites l'expérience de l'immobilité. Il est grand temps. Il est grand temps pour certains d'entre vous de retrouver votre calme et d'oublier le bruit du monde qui nous entoure, qui vous entoure, pour mieux écouter eh bien votre petite voix intérieure. Est-ce que vous écoutez votre petite voix intérieure? Petit rituel, essayez de prendre quelques minutes par jour pour méditer. Vous savez que moi, je suis une grande adepte de la méditation et ça permet de revenir à soi, de faire le vide. Ça fait tellement du bien. Alors, on vous demande pas des heures, n'est-ce pas, par jour, 10 minutes quotidiennement suffiront à calmer votre esprit, à vous reconnecter à votre corps. Et vous verrez au fil du temps que l'anxiété et le stress diminueront. Vous pouvez vous prêter à l'exercice en écoutant, par exemple, une musique douce, en vous aidant d'une méditation guidée disponible sur Internet, hein, il y en a beaucoup sur YouTube, ou d'une application dédiée. Et s'il y a du bruit autour de vous, une télévision lointaine, vos voisins ou autres, eh bien, vous pourrez même en faire un allié. Vous vous focaliserez sur ces sons du moment présent en les incluant dans votre méditation. L'immobilité pour terminer cette semaine. Je termine avec l'oracle de l'évolution. Es-tu certaine d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point, n'est-ce pas? D'où vient l'immobilité, hein? Gardez un peu la synchronicité. Tu as bien avancé, mais
Est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir. Et la réponse, elle est sous tes yeux. Et bien voilà, on termine cette semaine. On est dans les préparatifs de Noël, n'est-ce pas? C'est une période, je vais le répéter, que j'aime tout particulièrement, la magie de Noël, les illuminations, la plénitude, la sérénité. Et bien voilà, je vous souhaite une toute belle journée ainsi qu'un magnifique week-end dans l'amour, dans la joie, dans le rire, la tolérance, la bienveillance, etc. Et puis on se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent, prenez soin de ceux que vous aimez. Et pour ma part, je vous embrasse tout fort. À tout bientôt.